Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope 2023 pour le signe des Gémeaux. Donc, comme pour les autres signes, donc je vais vous parler donc des trois décans pour ce signe. Donc les premiers décans, donc les natifs nés du 22 mai au 31 mai, donc en moyenne hein, selon les années, ça peut être un jour avant, un jour après environ. Les deuxièmes décans sont les natifs nés du 1er juin au 11 juin. Et troisième décan sont les natifs nés du 12 juin au 22 juin. Alors c'est un horoscope solaire, hein, je le rappelle à chaque fois, car c'est un horoscope, comme on dit, général, hein, qui se base uniquement par rapport à la position du Soleil, donc le Soleil en Gémeaux, hein, on ne prend pas toutes les autres planètes, mais c'est pour ça qu'il faut regarder tout le thème dans son ensemble, donc un horoscope, comme on dit, personnalisé, qu'il faut faire selon, avec un astrologue, hein, qui pourra vous, ou si vous connaissez assez bien l'astrologie, voilà, c'est plus pratique qu'un horoscope dit solaire, un horoscope général, car ça reste très général. Donc là, je vais rester assez général au niveau des énergies, bien sûr, mais ça peut donner une petite tendance. Alors, pour les premiers décans, donc Gémeaux, alors qu'est-ce que vous aurez cette année 2023? Alors, plutôt des bons aspects, on va dire. Alors, notamment un sextile de Jupiter en Bélier dès le 1er janvier, hein, dès le début d'année, jusqu'au 20 février. Donc beaucoup de croissance, d'épanouissement. Alors Jupiter en Bélier va amener beaucoup d'épanouissement par rapport à nos actions, par rapport à nos initiatives, tout ce qu'on va entreprendre. Donc c'est un peu, on va dire, quelque part un démarrage, un commencement, quelque chose un renouveau. Alors après, ça dépend forcément des périodes auxquelles vous êtes, où il y a aussi en numérologie, selon le cycle, vos cycles numérologiques aussi. C'est en fin de cycle ou voilà, en début de cycle, c'est bien de savoir à peu près à quel cycle on se situe. Mais en général, voilà, c'est plutôt positif pour les premiers décans, donc croissance, épanouissement, opportunité. Alors ça dépend, ça peut être sur le secteur professionnel, familial, amoureux, donc après ça, faut voir selon votre thème bien sûr, dans quelle maison tombera ces planètes. Vous aurez aussi un trigone à Pluton en Verseau, donc juste après le 23 mars au 11 juin 2023, donc quand Pluton va arriver en Verseau, hein, dès le 23 mars. Donc là, très positif pour aller en profondeur, pour voir les choses... plus de manière intense, authentique, profonde. Enfin, il peut y avoir vraiment une relation qui va, voilà, qui est plus, qui n'est pas fausse, hein, qui devrait être plus profonde avec Pluton. On va vraiment au fond des choses. Donc, c'est vrai que c'est un aspect qui peut donner des changements positifs aussi, hein, un renouveau. Alors, au niveau des relations, en Verseau, ça peut être au niveau amical. Mais pas que, par rapport à nos projets, ça peut être aussi dans d'autres domaines de vie, hein, selon votre thème. Donc plutôt, on va dire, trois premiers mois de l'année, même si les six premiers mois, pardon, plutôt positifs. Alors ensuite, vous aurez la conjonction avec Mars en Gémeaux, donc les aspects à Mars. Hein, puisque Mars va revenir en Gémeaux, enfin, et toujours en Gémeaux rétrograde d'ailleurs, jusqu'au 12 janvier. Donc du 1er janvier au 31 janvier, donc on va dire les 15 premiers jours, enfin les 12 premiers jours, c'est un passage encore un peu de Mars rétrograde, où vous pouvez revoir un peu vos actions par rapport à certains domaines. Ça peut être un rapport au conjoint, au couple ou à des collaborateurs. Hein, si par exemple Mars est maître de 7 par exemple, hein, ou si vous avez un Mars en 2, ça peut parler au niveau financier, mais ça peut commencer à se débloquer par exemple dès le 12 janvier. Donc jusqu'à la fin du mois, il peut y avoir des choses qui se mettent en place, une énergie qui repart en avant là avec Mars. Donc on peut se reprendre des initiatives positives, une énergie où on peut mettre en pratique nos idées, mettre en place nos idées de manière concrète, de manière spontanée, avec beaucoup de verbes, hein, on peut mettre des actions sur les mots, hein, les idées qu'on souhaite mettre en place. Alors je sais bien, ça reste général, hein, c'est un peu abstrait, parce que forcément j'ai pas les maisons de chacun, donc après je vais pas faire une fausse astrologie, hein, mais sachez que voilà, c'est quand même une bonne période au niveau de l'énergie, donc ça peut être bien pour commercer, pour échanger, pour se déplacer, etc. Toujours de bonnes énergies ensuite, avec un sextile de Mars en Lion du 21 mai au 7 juin. Alors là, encore une fois, l'énergie pour entreprendre, pour imposer ses idées, pour se mettre en avant, pour briller. Mars en Lion, on agit avec le cœur, donc on agit avec volonté, avec beaucoup d'assurance,
Et grâce à notre verbe, hein, le Gémeaux, ça peut aider. Hein, donc, grâce à nos moyens de communication, ça peut vous aider pour affirmer certaines idées, par exemple, et puis les imposer. Donc, profitez de cette période, voilà, pour toutes ces énergies. Ça peut être bien aussi, par exemple, pour les spéculations, le sport ou autre. Ensuite, alors, un petit bémol à partir de l'été. Donc, Soleil carré Mars en Vierge du 11 juillet au 27 juillet. Alors là, attention, parce qu'il peut y avoir un peu d'irritation, on peut se sentir un peu en conflit avec d'autres ou alors par rapport à notre entourage. Donc attention de ne pas devenir un peu agressif. Hein, Soleil carré Mars, c'est un peu l'agressivité, les disputes, on peut s'emporter. Hein, donc peut-être qu'il y a des choses qui peuvent agacer. Parce qu'en rapport avec le quotidien en Vierge, ça peut être par rapport aussi à des tâches, comment dire, des obligations de la vie quotidienne. Voilà, bon, après, il faut voir après dans quelle maison, encore une fois, ça tombe. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Balance du 28 août au 12 septembre. À nouveau, une belle énergie pour les relations, dans le couple, les collaborations par rapport à peut-être des décisions de justice ou des contrats. Donc après, il faut voir dans quelle maison, encore une fois, ça tombe. Mais vous pouvez vraiment agir avec circonspection et être mesuré dans vos idées pour agir au mieux, hein, pour l'autre, par exemple. Donc voilà, profitez de cette période pour harmoniser vos relations et puis voilà, trouver des ententes, hein, des facteurs d'entente et de collaboration. Ensuite, un petit bémol avec le Soleil Quinconce Mars en Scorpion du 13 octobre au 27 octobre. Donc là, un peu d'irritabilité, on peut être un peu piquant ou être un peu voilà, recevoir un peu d'agressivité, voilà, un peu avoir un peu des mésententes, mais c'est pas méchant. Ensuite, l'opposition à Mars en Sagittaire, enfin, donc le 25 novembre au 8 décembre, donc attention, une énergie qui est un peu trop grandiloquente, où on peut un peu trop voir en grand et se sentir un peu, encore une fois, un peu déstabilisé, où on peut réagir, être un peu énervé, être un peu dans l'agressivité. Hein, ça peut être des mésententes par rapport à certains idéaux, certaines idées. Hein. Attention aussi sur la route, par exemple, hein, c'est l'axe du voyage, hein, Gémeaux Sagittaire. Si vous avez un déplacement ou un voyage pendant cette période, il faudra être plutôt vigilant, hein, parce que là, ça peut souvent amener, alors pas forcément, hein, forcément, il faut voir par rapport à votre thème, mais des risques d'accident, hein, dans le pire des cas, mais voilà, c'est plus par rapport à l'agressivité déjà dans un premier temps. Et enfin, donc, vous avez donc le sextile à la Lune noire en Lion du 9 janvier au 8 avril. Donc ça, c'est plutôt positif pour sublimer par un manque au niveau de l'ego, quelque chose qui peut nous, comment dire, nous satisfaire par rapport à comment dire, une créativité. Pour se mettre en avant, il peut y avoir des choses qui nous comblent au niveau de l'amour, par exemple. Hein, ça peut être une petite période là assez gratifiante à ce niveau-là, où hein, le soleil met du lion, donc forcément, il y a quelque chose d'important peut-être à cette période-là pour vous, qui peut vous guérir, entre guillemets, enfin combler un manque. Donc c'est ça, avec la lune noire, on sublime certains manques, certains désirs non avoués, non désirés, mais qui sont difficiles à manifester dans le réel. En revanche, il y a un carré à la lune noire en vierge du 5 octobre au 2 janvier 2024. Donc en cette fin d'année, attention, encore une fois, un petit manque, il peut y avoir ce vide intérieur concernant des problèmes peut-être d'organisation, d'examen, tout ce qu'on n'aura pas avec la Vierge, donc ça peut être en rapport avec le travail, la vie quotidienne, que sais-je. Donc on peut être trop dans l'analyse, on peut avoir à chercher, être trop dans le mental. Hein. Gémeaux Vierge, c'est des signes qui sont assez axés sur l'intellect et le mental, donc peut-être il y a quelque chose à revoir là-dessus. Attention peut-être à la santé aussi au niveau mental ou cérébral par exemple. Donc à suivre, selon votre thème, voilà. Donc ensuite, les natifs du deuxième décan, donc vous aurez aussi le sextile de Jupiter en Bélier, mais du 21 février au 5 avril. Donc positif pour l'accroissement, la chance, l'épanouissement. Donc là, il y a des opportunités qui peuvent se réaliser, alors dans tel ou tel domaine, selon votre thème, forcément. Mais voilà, c'est une bonne période là pour agir, pour concrétiser certaines choses, avoir des opportunités, des bienfaits.
que ce soit matériel, professionnel ou peut-être affectif, qui sait. En tout cas, l'action va vous combler et tout ce que vous entreprendrez peut être positif à cette période. Ensuite, les aspects directement donc, de Mars, donc notamment la conjonction de Mars en Gémeaux, donc dès le 31 janvier au 4 mars, là, ça va vous permettre d'être en action, de mettre en pratique vos idées. Vous pourrez agir de manière ordonnée, mettre en place certaines choses que vous voudriez faire peut-être. Alors après, voilà, c'est très général, mais vous pouvez, selon pareil, les aspects, parce qu'une conjonction, c'est pas forcément positif. Hein, si elle reçoit beaucoup d'aspects conflictuels, ça risque peut-être d'être problématique. Donc attention aussi à l'agressivité à ce moment-là, agressivité verbale, par exemple. On peut se sentir un peu trop dynamique, voire un peu trop agressif dans les débats, un peu trop passionné, et vouloir peut-être imposer trop ses idées. Donc à voir, hein. Sinon c'est plutôt bien vécu, bah, c'est bien pour établir plein de choses, échanger dans tous les domaines. Notamment qu'il y aura un sextile ensuite de Mars en Lion du 7 juin au 24 juin. Donc là, vous pourrez utiliser votre énergie pour imposer vos idées, pour agir avec le cœur, pour exprimer votre affectivité, par exemple, ou voilà, vos désirs. Donc ça peut être une relation positive en amour, avec les enfants, dans votre créativité, dans les spéculations, dans plein de choses qui vous passionnent. Encore une fois, il faut voir dans quelle maison cela tombe. En revanche, un carré à Mars en Vierge du 27 juillet au 12 août. Donc là, attention encore une fois à l'irritabilité. On peut être agacé, être un peu agressif à ce moment-là. On peut être sujet à des disputes, des conflits. Donc attention au relationnel. Donc pas trop être. Voilà, on peut avoir les neurones là, qui fument un peu hein, avec le carré de Mars dans des signes intellectuels. Voilà, donc faut peut-être les côtés des détails peuvent vous irriter, hein, le côté on vous reprend chaque détail ou des choses comme ça à cause de manquements, enfin voilà, ça peut être un facteur d'irritabilité, on va dire. Alors ensuite, le Soleil trigone à Mars en balance du 12 septembre au 28 septembre, plutôt positif encore une fois pour le relationnel, pour agir de manière harmonieuse. Par rapport à en établissant tous les abords d'un problème hein, pour le pour et en posant le pour et le contre avec la balance. Donc là c'est bien pour avec les partenaires trouver des accords, agir pour eux. Ça peut être pour des contrats, de la justice, etc. Ensuite le Soleil sera quinconce à Mars en Scorpion donc du 27 octobre au 11 novembre. Donc légère dichotomie, on peut se sentir un peu piquant, être piqué, un peu agressé. Donc attention, bon, c'est mineur, hein, c'est un quinconce, mais voilà, il peut y avoir une légère tension dans l'air. Bon, c'est pas grave. Soleil opposé Mars en Sagittaire en fin du 8 décembre au 23 décembre. Encore une fois, attention à l'agressivité, un trop-plein d'énergie qui peut mal être dirigé. Donc on peut, alors peut-être le sport peut être conseillé à ce moment-là, mais en étant vigilant, parce que dans des signes de déplacement, on peut toujours se blesser éventuellement, mais notamment dans tout ce qui est accident de la route, tout ça, des choses comme ça, ou de voyage, il faut faire attention, mais c'est voilà, c'est très général, hein, faut voir le thème dans son aspect global. Vous pouvez vous sentir un peu trop en confiance, ou voilà, agir avec trop d'amplitude, trop de confiance, trop d'assurance, et trop en imposer, être trop envahissant parfois avec le Sagittaire. Donc après, il faut voir. Voilà, mesurez votre tension nerveuse à ce moment-là, encore une fois. Enfin, il y aura le Soleil sextile Chiron en Bélier toute l'année. Donc avec Chiron, ça peut guérir certaines blessures de l'âme. Donc, comme on dit, on peut soigner par la parole, hein, Gémeaux, et en agissant, en mettant concrètement des idées en place, peut-être par différentes thérapies. Voilà, donc après, il faut voir. S'il y a des choses qui vous intéressent dans ces domaines, sinon tout simplement ça peut aider à trouver un apaisement dans certaines discussions, trouver des choses qui nous font du bien, tout simplement. Et le sextile à la Lune noire en Lion du 8 avril au 7 juillet peut vous permettre aussi, encore une fois, de combler une sorte de dette karmique, un manque au niveau de l'ego, de l'amour-propre, de tout ce qui a rapport avec nos valeurs, hein, Lion.
Donc ça peut être un enfant qui nous guérit, une créativité qui sublime peut-être certains manques affectifs par exemple. Voilà, donc il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent vous combler pendant cette période grâce à ce sextile. Tout est autant qu'il faut voir votre thème, s'il y a déjà un bon aspect de la lune noire en Lion ou pas. Des lunes noires en général hein, dans votre thème, hein. Si c'est pas le cas, c'est sûr que ça va pas être très puissant, mais s'il y a déjà des bons aspects, bah, ça va vraiment renforcer cet aspect. Voilà. Et enfin, donc l'horoscope donc pour le troisième décan. Alors vous aurez le quinconce de votre soleil à Pluton en Capricorne du 1er janvier au 22 mars. Donc là, pour vous, c'est mitigé par rapport à des changements qui ont pu avoir lieu depuis quelques temps, on va dire, voire années. Donc il faut peut-être terminer certaines choses. Il y a des changements qui doivent s'opérer dans la durée encore, hein. Alors c'est peut-être des changements qui sont très perceptibles, hein. C'est un quinconce, donc c'est vrai que c'est peut-être pas très, très très important, mais il y a quand même voilà, un truc en fond de toile, quelque chose en fond de toile qui doit s'opérer. Alors ça peut être soit dans le domaine affectif, professionnel, relationnel, familial, donc à voir selon votre thème, encore une fois. Ensuite, enfin au même moment, vous aurez le trigone à Saturne en Verseau, du 1er janvier au 6 mars. Donc là, en revanche, ça soutient, on va dire, plutôt l'action du quinconce de Pluton en Capricorne, car Saturne est le maître. Donc vous aurez quand même une bonne base, une bonne structure pour établir des choses, pour être sérieux dans tel ou tel domaine, dans les relations, dans vos projets, vos amitiés, ou bien, selon votre thème, ça peut être dans d'autres domaines, soit affectifs, professionnels ou autres. Donc il peut y avoir des choses qui se mettent en place de manière concrète et durable, éventuellement. Vous aurez d'ailleurs juste ensuite donc le sextile de Jupiter en Bélier du 5 avril au 16 mai. Alors là aussi, comme pour les autres décans, c'est une phase positive pour vous, hein, pour la croissance, pour l'épanouissement, pour mettre en place vos actions, vos idées, grâce à vos idées. Vous pouvez agir et communiquer avec bienveillance, enthousiasme et chaleur, avec beaucoup de chaleur, de magnanimité. Vous pouvez être très en joie, très positif, optimiste. Donc il peut y avoir des choses assez positives pour vous en ce moment. Encore une fois, il faut voir votre thème. Ensuite, vous aurez avec les aspects de Mars la conjonction de votre Soleil à Mars en Gémeaux du 4 mars au 25 mars. Donc un peu dans cette période. Donc vous aurez pareil de l'action, beaucoup d'idées peut-être à mettre en place à ce moment-là. Donc attention quand même à la tension nerveuse. On peut parfois être un peu agressive ou si on touche à votre ego ou si voilà, on ne vous écoute pas, ou il peut y avoir des choses qui peut-être vous agacer aussi, hein, mais si c'est bien inspecté cette conjonction, ça se passera très bien. Vous pouvez agir avec vos proches, vos collaborateurs, bien échanger dans beaucoup de domaines et faire vraiment un peu ce que vous voulez, hein. Le sextile à Mars en Lion d'ailleurs va confirmer cela du 24 juillet au 10 ju 24 juin au 10 juillet. Donc beaucoup d'énergie pour imposer vos idées, agir avec assurance, avec le cœur, avec beaucoup d'envie et de volonté. Donc Mars en Lion, c'est bien pour la compétition, le sport. Donc là, cette période-là peut être bien pour le sport, par exemple, ou pour d'autres domaines, de la créativité, faire des choses qui vous plaisent, des hobbies. Ça peut être une relation avec un amoureux, des enfants qui vous comblent. Donc on peut agir et recevoir aussi des bonnes actions de ce côté-là. En revanche, le carré de Mars en Vierge du 12 août au 27 août va plutôt vous irriter, hein, cette fin d'été. Donc il peut y avoir des choses peut-être comment dire, à analyser, à faire attention, hein, parce que le Gémeaux a tendance à être dispersé en général. Il a un peu touche à tout, donc il n'est pas très carré. C'est pas un signe de terre comme la Vierge qui est bien organisée, bien pratique et organisée. Ce côté-là peut-être vous sciez un peu, vous manque et vous peut-être vous agace un peu. Donc c'est pour ça que ça peut créer des dichotomies, voire des disputes ou des tensions dans ces domaines. Il peut y avoir des agacements parce qu'on n'est pas assez organisé ou on manque
d'analyse et de pragmatisme. Ensuite, le Soleil sera en revanche trigone à Mars en balance du 28 septembre au 12 octobre. Donc là, à nouveau, c'est plutôt positif pour vous, pour l'énergie, pour vous associer, pour agir pour pour le conjoint, les collaborateurs, mais surtout agir d'une manière souple et harmonieuse. Donc on peut peser le pour et le contre avant d'imposer certaines choses. Donc on peut être beaucoup plus diplomate à cette période, entre guillemets. Ça peut être des rapports avec la justice ou des contrats qui peuvent être importants aussi à ce moment-là, qui sont plutôt positifs. Ensuite, le Soleil sera en quinconce à Mars en Scorpion du 11 novembre au 24 novembre. Donc là, en revanche, à nouveau, il peut y avoir des légères tensions, on peut se sentir un peu blessé, voire piqué dans nos échanges, dans nos relations éventuellement. Donc attention un peu à ce petit côté qui peut agacer, mais ce n'est pas trop grave. Ensuite, le Soleil opposé à Mars en Sagittaire, du 23 décembre au 31 décembre, vous finirez l'année un peu en tension quand même. Hein, parce qu'avec Mars en Sagittaire, bah, c'est votre signe opposé, donc il risque d'y avoir des fortes tensions, peut-être imposer vos idées un peu trop de manière grandiloquente et envahissante. Donc ça peut un peu agacer, énerver, un peu avoir des débats d'idées, un peu. Ne pas être d'accord sur certains idéaux, certaines choses. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais ça peut créer voilà, des mésententes. Donc attention à ce moment-là, ça peut être beaucoup d'énergie aussi à dépenser pour le sport, hein, c'est possible aussi. Donc ça peut être bien pour faire du sport à ce moment-là, et dépenser son trop-plein d'énergie. On peut voilà, on peut avoir des risques au niveau des déplacements, donc attention aux accidents éventuels de route ou de voyage. Donc bon, après c'est relatif, faut voir ça au niveau de votre thème personnel. Et enfin, le sextile à lune noire en Lion du 8 avril au 7 juillet va vous combler au niveau affectif. Il peut y avoir un manque à sublimer par rapport à l'ego, l'amour. Donc par rapport ça peut être aidé grâce à une créativité, grâce à un enfant, des enfants ou des hobbies qui nous passionnent. Hein. Ça peut être que sais-je, l'écriture, la musique, l'art, la poésie, des spéculations. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui peuvent vous permettre de combler un certain manque et qui vous comblera peut-être à ce moment-là. Et le sextile d'Eris en Bélier qui durera aussi toute l'année, ça permet aussi d'apporter quelque part un semblant de réunification intérieure qui permet de vous sentir en plein accord avec vos idées, votre être profond. Donc vous pouvez rechercher à réunifier malgré les désaccords peut-être grâce à vos échanges, votre communication, hein, ça peut aider en ce sens, en tout cas ça soutient on va dire les aspects peut-être un peu dits conflictuels tout au long de l'année. Voilà, donc j'ai terminé pour l'horoscope des Gémeaux. Hein. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter si vous le souhaitez. Les liens sont à la fin de la vidéo et sous la vidéo en description. Voilà, et quant à moi, bah, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo pour le signe du Cancer. Au revoir.